Au responsable de l'Organisation de planification économique suprême de Chine déclare que les mesures de soutien déployées ces derniers mois ont contribué à solidifier la reprise économique nationale. Tong Liang, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré que le pays renforcerait les efforts de macro-contrôle et mettrait l'accent sur l'expansion de la demande domestique, sur la stimulation de la confiance et la prévention des risques, afin de pousser la croissance à la fois sur le plan de la qualité que de la quantité. Également durant la conférence de presse, Zhu Lin, le chef du département de la politique monétaire auprès de la Banque centrale de Chine, a exhorté à renforcer l'accent sur le taux de change du renminbi face à un panier de devises plutôt qu'uniquement face au dollar.